Merci, merci Al. Merci Olivier. Je suis très content d'être là et puis surtout, c'est grâce à Martial en fait que je Martial Guédron qui m'a présenté que je travaille sur la caricature ou c'est à cause de lui, je ne sais pas. Il se trouve que nos intérêts ont convergé autour de la question de la représentation du corps et de là effectivement est née une histoire de la caricature qui vient d'être republiée, même si je vais enlever ça, même si on la trouve apparemment difficilement à Strasbourg, mais chez Citadel et Masnou, il y a cette art et histoire de la caricature, puisque tel est le titre de la collection. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer, ce qui n'est pas évident, parce que Martial évoquait le petit livre que je vais faire paraître aux éditions de l'INHA en décembre ou janvier prochain, sur cette notion de dessinateur, en prenant comme cas d'étude une sorte de fortune critique de l'illustrateur Granville jusqu'à Topor. Alors je vais reprendre ce thème ici. Le seul problème, c'est qu'évidemment, je viens de terminer ce tout petit livre et j'espère pouvoir me détacher de mon texte que j'ai un peu trop en tête pour rendre les choses un peu plus vivantes. N'hésitez pas, je sais que c'est pas un vrai séminaire et que vous êtes là bien aligné sur des chaises comme dans une salle de conférence, dans cet auditorium, mais voilà, moi ça me dérange pas du tout si vous m'interrompez, si vous me demandez voilà de clarifier certaines choses, et bien sûr après, de toute façon, on peut avoir des questions. Alors le point de départ, c'est Granville, comme je l'ai dit, et c'est ce qui caractérise sans doute Granville, c'est-à-dire le statut d'illustrateur, puisqu'on considère généralement que Granville est un peu la figure de proue de ce nouveau type d'artiste et de dessinateur au XIXe siècle, qui d'ailleurs, du vivant de Granville, Granville meurt en 1847. Donc du vivant de Granville, le mot d'illustrateur est très peu usité. En réalité, il commence à exister vraiment en France dans les années 1860-1870. Il y a quelques pages de Théophile Gautier ou des Goncourt sur le sujet. C'est un mot relativement nouveau. Et à partir de ce statut d'illustrateur, je me suis intéressé à celui d'illustrateurs qui s'illustrent, hein, c'est-à-dire qui font de l'auto-illustration, c'est-à-dire des gens qui écrivent et qui dessinent. Et pour essayer de préciser un petit peu la chose, oui, j'ai utilisé ce mot. Et là, vous me direz, c'est pareil, enfin, c'est trop tard pour le livre, puisque, effectivement, il est déjà sous presse. Mais si vraiment vous trouvez que c'est complètement nul, ce qu'on m'a déjà dit 10 fois, hein, donc je suis blindé, ce mot de dessinateur, je prends et je verrai ce que j'en fais. Je sais que c'est laid et je sais que ça ne fonctionne pas très bien. Et en plus, ça ne se traduit pas, enfin, ça a tous les défauts. Mais peut-être que, vous aurez des idées là-dessus. Alors Granville, c'est évidemment un illustrateur qui a été déjà très étudié. Il y a une monographie d'Annie Renoncia, il y a bien sûr un chapitre entier d'un célèbre livre de Philippe Quesnel sur le métier d'illustrateur, parce que comme je vous le disais, il est une figure vraiment éminente de l'invention de ce nouveau statut. Donc c'est un illustrateur bien connu, et je vais revenir sur des images qui là aussi sont très connues et qui ont fait sa célébrité, mais encore une fois pour les considérer du point de vue de cette auto-illustration, du point de vue de ces auteurs dessinateurs. Alors pour le situer rapidement, Granville donc il est né en 1803, hein, il est mort assez jeune, vous voyez, en 1847. Sa mort, je vais y revenir, a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Et il est d'une famille relativement modeste, en fait, de comédiens, mais qui
ont un peu déchu. Donc une partie de la famille fait de la restauration, mais pas de la restauration d'art, hein, de la restauration culinaire. Donc c'est une famille qui est un peu en perte de vitesse. Et un des membres de sa famille est miniaturiste. Donc la miniature existe encore, hein, dans la première moitié du 19e siècle. C'est un métier à part entière. Ça permet de faire des petits portraits que l'on peut promener avec soi, hein, avoir des images, donc des êtres chers dans sa poche. Alors, c'est un métier qui va bien sûr disparaître avec le daguerréotype et la photographie en général. Et ça explique aussi le dessin de Granville, hein, qui effectivement n'est pas le dessin le plus séduisant qui soit dans la première moitié du 19e siècle, même si on le connaît beaucoup par des gravures qu'il ne réalisait pas lui-même. Hein. C'est un dessinateur qui ne pratiquait pas la gravure, il a pratiqué très peu la lithographie et il préférait confier donc ce travail à des graveurs dont il se plaignait par ailleurs, hein, en disant qu'il déformait ses images, ce qui est vrai. Hein. Donc son dessin, trahi entre guillemets, par les graveurs, est un dessin assez sec, comme vous le voyez, extrêmement précis, qui provient, hein, de sa formation familiale de miniaturiste. Alors ce qui le rend célèbre, c'est une suite de gravures que vous voyez là, les Métamorphoses du jour, qui paraît en 1829, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la chronologie. Et c'est une série d'estampes qui met en scène des types sociaux avec des légendes. Vous arrivez à les lire, oui, Monseigneur, je vous présente mes hommages ainsi que ma fille. Des légendes qui permettent parfois d'identifier assez précisément des personnages. En l'occurrence ici, c'est une aventure qui serait arrivée au duc de Chartres, auquel un homme aurait proposé sa fille de façon assez directe, en échange évidemment de faveurs, hein, de la part de ce grand aristocrate. Et c'est évidemment, au-delà de ce private joke, hein, qui parlait à un certain nombre d'acheteurs de la série, c'est une critique politique, bien sûr, d'un régime, de la Restauration et même de la monarchie de Juillet qui allait suivre. Donc Granville pratique ce genre de la satire morale, sociale et politique tout en même temps, hein, de façon très... très assidu à la fin des années 1820 et au début des années 1830. Il travaille évidemment pour la presse satirique illustrée qui vient d'apparaître, la caricature, le charivari, hein, il travaille pour Philippon, il est peut-être celui qui est le plus sollicité. Daumier va évidemment intervenir dans les années 1832-1833, hein, mais au départ c'est Granville qui est le dessinateur le plus important. Et le très beau dessin de Daumier et le fait qu'il lithographe lui-même, évidemment, va amener Daumier à prendre le leadership, hein, dans cette équipe, au détriment de Granville. Voilà, pour le situer très rapidement. Pour revenir à la question de l'illustration, donc à partir de 1835, hein, et des lois dites scélérates sur la liberté de la presse, Granville se tourne, comme tous ses confrères, vers d'autres activités, et donc il devient vraiment illustrateur, dans le sens où... ce mot ne s'appliquait pas véritablement, encore une fois, dans la première moitié du 19e siècle et surtout pas, finalement, à des dessinateurs pour la presse illustrée. En revanche, il commence à s'appliquer pour ceux qui dessinent pour l'édition, hein, donc les livres illustrés, où se retrouvent donc tous ceux qui ont fait leurs armes, hein, dans la presse satirique. Et Granville illustre des grands textes du patrimoine littéraire, les fables de La Fontaine, évidemment, les voyages de Gulliver, de Swift, hein, et bien d'autres fabulistes encore, aujourd'hui totalement oubliés, les fables de Florian, des choses comme ça, voilà. Et ça le rend célèbre, bien sûr, puisque, vous l'avez compris, hein, ce qui fait sa célébrité, même si ce n'est pas tout à fait nouveau, c'est de représenter les hommes en animaux, hein, bien entendu, avec une très grande vraisemblance anatomique, finalement, dans cette hybridation de l'homme et de l'animal. Donc, il se rend, évidemment, pour les fables de La Fontaine, c'est le cas rêvé, hein, et pour, en général, les fabulistes, son trait fait merveille, il est très efficace. Et petit à petit, dans la deuxième moitié des années 1830, apparaît véritablement une industrie du livre illustré en France,
Et cette industrie, elle va susciter des textes nouveaux. Et Granville commence à travailler donc pour des livres nouveaux qui sont écrits spécialement pour être illustrés, et non pas des textes anciens qu'on illustre a posteriori. Alors, il y a des ouvrages qui aujourd'hui sont totalement inconnus parce que l'écrivain n'était pas un écrivain très important, le livre illustré était illustré assez platement. Il y a des livres très populaires qu'on appelle les physiologies, hein, qui sont des séries de petites publications illustrées relativement bon marché, hein, que tout le monde pouvait acheter, qui participent d'une sorte de classification sociale et morale. Et puis, il y a des entreprises beaucoup plus ambitieuses, auxquelles Granville, bien sûr, est très vite associé, parce que son talent d'illustrateur est reconnu. Et parmi ces entreprises ambitieuses, il y a les scènes de la vie privée et publique des animaux, qui est publié par un éditeur, le grand éditeur de livres illustrés, qui publiera Jules Verne plus tard, c'est Pierre-Jules Hetzel. Et Pierre-Jules Hetzel associe Balzac, George Sand, Naudier à cette entreprise qui consiste à nouveau faire une sorte de portrait moral et social de la société par des nouvelles, des petits récits qui sont tous illustrés par Granville. Parce que souvent, ces grandes entreprises de livres illustrés sont illustrées, ornées, disait-on à l'époque, par différents illustrateurs. On retrouve toujours les mêmes, évidemment, Daumier, Granville et bien d'autres. Donc ces grandes entreprises, elles connaissent un succès énorme. Les scènes de la vie privée et publique des animaux est toujours aujourd'hui considéré comme un des plus beaux livres illustrés de la première moitié du 19e siècle. Mais cette entreprise laisse Granville insatisfait, parce que même si Hetzel, l'éditeur, dit ce sont les dessins de Granville qui nous ont incités à lancer ce projet et à inviter de grands écrivains, en réalité ça ne s'est pas passé comme ça. Hetzel s'est entendu avec Balzac, dont la comédie humaine est une physiologie sociale, et Balzac, qui connaissait bien Granville parce qu'ils ont travaillé ensemble dans la presse illustrée, Balzac a évidemment dirigé Granville. Et Granville était assez insatisfait de son statut, parce que même si son nom est sur la couverture, bien entendu, il avait l'impression d'avoir été à l'origine du livre et pourtant être payé beaucoup moins que les autres et surtout devoir suivre les récits des autres, c'est-à-dire n'avoir pas eu un rôle d'auteur, précisément. D'où cet ouvrage dont vous voyez la page de titre, Frontispice, Un autre monde, qui là aussi est considéré comme un des chefs-d'œuvre du livre illustré, qui paraît donc en livraison, puisque ces ouvrages illustrés sont très onéreux, donc on les fait paraître en livraison, on vend livraison après livraison, donc cahier après cahier, et puis si ça marche, eh bien on fait le livre entier et ensuite on le vend relié. Bon. Donc il paraît en livraison durant l'année 1843 et la date officielle de publication c'est 1844, puisque c'est là que le livre paraît officiellement, mais les lecteurs intéressés ont pu en prendre connaissance tout au long de l'année 1843. Alors, Un autre monde, c'est pas la couverture que vous voyez là, mais tout de même, sur la page de titre, vous voyez qu'il n'y a qu'un nom, même s'il n'est pas très lisible, c'est celui de Granville, qui est sur cette ceinture qui entoure cet autre monde, avec son nom qui est vu du dessus, et vous pouvez constater que c'est le seul nom. Autrement dit, il est parvenu à imposer, alors à un autre éditeur qu'Hetzel, Fournier, l'idée que l'illustrateur signe le livre. Alors on sait, parce que de très nombreux travaux ont été faits sur ce livre, notamment par Ségolène Le Menn, on sait que Granville a vraiment conçu le scénario, le synopsis de ce livre. Il est dans une collection privée au Japon, ce manuscrit, il a été publié par Ségolène Le Menn. Et on voit qu'effectivement, le livre est de lui, les idées sont de lui. Mais Granville n'est pas un écrivain. À chaque fois qu'on trouve un texte de Granville, il est plein de ratures et d'hésitations, mais pas des ratures d'écrivain. C'est vraiment une hésitation fondamentale sur la façon de tourner les phrases et de trouver les mots. Et par conséquent, il s'est adjoint
un écrivain, un auteur, qui s'appelle Taxil Delors, qui est un historien, un journaliste, enfin un littérateur, comme on dit, hein, qui a accepté d'être anonyme et qui a rédigé finalement les idées de Granville, mais à partir, bien sûr, des images que Granville dessinait en suivant son propre synopsis, son propre scénario. Alors, en cela, je propose de reconnaître en Granville le premier des dessinateurs, puisque j'assume ce mot, difficilement, vous le sentez, le premier des dessinateurs. Peut-être que dans la salle, il y a déjà des gens qui se disent « Ah, il y en a d'autres avant ». Oui, c'est possible, je vais y revenir. En tout cas, le premier a assumé, lui, hein, vraiment cette position d'être auteur par l'image, puisque Un autre monde, c'est précisément cette histoire-là. Hein. C'est un livre qui est écrit par la plume et par le crayon, en l'occurrence par le porte-mine et la plume que vous voyez sur le frontispice, qui sont en concurrence pour raconter cette histoire. Et évidemment, le propos de Granville, vous commencez à le deviner, je vous montrerai un détail tout à l'heure, c'est de dire que le crayon est plus habile que la plume pour raconter une telle histoire. Alors, quelle est cette histoire? Je reviens à mes dessinateurs. Ce que je propose à nouveau, hein, c'est que ce statut entraîne presque automatiquement des choix esthétiques qui vont du côté du fantastique, hein, d'où le titre de mon propos, la satire noire et fantastique des dessinateurs. C'est-à-dire que le fantastique naît de cette double pratique de faire des images et en même temps d'écrire le texte. Alors, je vais m'expliquer là-dessus, mais ça explique que je propose de relier Granville et Topor, quand même très éloignés dans le temps, en plaçant quelques noms dans ce qui n'est pas vraiment une généalogie, hein. Ce qui est une esquisse, finalement, de cohorte de dessinateurs qui ont expérimenté ce genre et qui, encore une fois, conçoivent des images fantastiques. Alors, bien sûr, le point de départ, ce sont ces images de Granville, très, très connues, qui paraissent dans le magasin Pittoresque en 1847. Le magasin Pittoresque, c'est le grand journal illustré, hein, fondé par un certain Édouard Charton. C'est vraiment une sorte d'encyclopédie assez populaire, hein, d'une culture visuelle populaire et savante, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a de l'histoire, il y a de la philosophie, il y a des sciences, il y a énormément de choses dans le magasin Pittoresque. Et bien sûr, il est pittoresque parce qu'il est illustré. Hein, c'est fondamentalement un journal illustré. Ces deux rêves de Granville paraissent en 1847, en mars 1847, et Granville, en réalité, vient de décéder. C'est-à-dire qu'il a envoyé ces deux dessins au directeur du journal, Édouard Charton, et entre-temps, il est décédé. Et ces planches paraissent posthumément, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est effectivement mort. Et Édouard Charton, bien sûr, célèbre, enfin, fait la nécrologie de Granville et porte au nu cet illustrateur génial qui, là, livre des feuilles extraordinaires qui seront sans suite, bien entendu, hein, puisque Granville vient de décéder. Alors, il se trouve que Granville est mort dans un épisode délirant, hein, pendant 3 jours et 3 nuits. Apparemment fou, ayant des visions, des hallucinations, ce qui bien sûr a été utilisé par les nombreux auteurs qui ont écrit sur Granville en liaison avec ses derniers dessins pour montrer que son imagination était celle d'un homme qui était travaillé par la folie, hein, en un siècle où bien sûr le génie et la folie sont souvent rapprochés. Et se crée une sorte de légende noire, hein, autour de Granville, d'un homme qui a effectivement perdu sa femme, qui a perdu 2 ou 3 enfants, je ne sais plus, on ne compte plus, ça n'a plus tellement d'importance, et qui traverse l'existence dans la douleur, c'est vrai. Hein. Mais de là à considérer que ses malheurs l'ont rendu fou, c'est tout à fait improbable, et il est maintenant à peu près certain qu'il est mort d'une infection cérébrale, hein, qui a entraîné effectivement des épisodes délirants,
mais que si ça n'était pas un bout en train, si c'était quelqu'un d'un peu introverti et certainement assez dépressif, il n'a jamais séjourné dans des maisons de santé, il n'a jamais été à Charenton, voilà, ça n'est pas, il n'a pas été le client d'aliénistes dans la première moitié du XIXe siècle. Donc il faut plutôt voir dans ces dessins, hein, gravés dans le magasin pittoresque, des recherches tout à fait conscientes d'une esthétique fantastique à un moment où précisément se noue un tournant, enfin, je ne sais pas si un tournant peut se nouer, ma formulation je la reprends, hein, où s'opère un tournant dans le romantisme en France qui va vers ce qu'on a appelé les arts de l'hallucination, c'est-à-dire un moment où on va rechercher dans des substances, la confiture verte, du hashish au club des hashishins, par exemple, hein, des visions, des hallucinations qui doivent évidemment stimuler ceux qui sont capables d'être stimulés, hein, parce que ça ne marche pas sur tout le monde, évidemment. Alors, dessin préparatoire, hein, au rêve qui vous permet d'apprécier, même si mon image n'est pas de très bonne qualité, l'ambition esthétique quand même de Granville pour ses dessins de rêve. Et Édouard Charton, quand il les publie, publie des extraits de la lettre que Granville lui avait adressée en même temps que ses dessins. Et dans cette lettre est importante parce qu'on a très peu de textes de Granville. Il a très peu écrit, il y a deux carnets, globalement, c'est à peu près tout, des carnets qui sont plutôt des prises de notes, avec des calembours, enfin des choses qui lui servent pour ses dessins, qu'on retrouve parfois dans ses lithographies, mais finalement c'est assez rare. Donc ces lettres, elles pourraient être importantes, simplement on n'est pas sûr que Charton ait bien respecté l'original, hein, on n'a pas l'original. Et ensuite, ce sont des lettres où finalement Granville dit, il suggère à Charton de s'adresser au lecteur pour dire, qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Est-ce un crime? Est-ce le remords? Choisissez, termine Granville, choisissez. C'est-à-dire, voilà, l'interprétation est ouverte, vous pouvez y lire ce que vous voulez. Alors, il se trouve que la postérité a retenu une interprétation qui concernait Granville sur sa propre folie, ou soi-disant, ou prétendue folie. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, Granville ne donne pas la clé de ces images, peut-être d'ailleurs ne la connaissait-il pas. Il ne dit pas non plus qu'il a vraiment pris ses rêves en note. Il ne dit pas cela. Il dit que ce sont des rêves, voilà, mais qu'on pourrait les considérer autrement. Et ce champ très ouvert de l'interprétation me semble assez significatif, à la fois d'une volonté consciente de produire des images nouvelles et de les rendre publiques très vite, à l'écart d'une entreprise éditoriale beaucoup plus ambitieuse, et en même temps du tâtonnement, bien sûr, de Granville, qui sait qu'il va sur des terrains nouveaux et qu'il ne connaît pas, ou qu'il connaît par l'intermédiaire d'écrivains qui ne lui sont pas favorables. Car il y a effectivement une sorte de sous-texte à ces images qui est celui d'une rivalité réelle entre la plume et le crayon, non pas celle qu'orchestre Granville dans un autre monde, hein, en 1843-1844, mais bien une rivalité dans les milieux artistiques entre des écrivains et des dessinateurs. Et Granville est la première cible de cette petite querelle à bas bruit, hein, mais qui existe néanmoins. Alors cette querelle, elle apparaît, enfin je l'ai repérée, je le dis très immodestement, dans ce livre Un autre monde, et donc vous l'avez compris, la grande entreprise de Granville. C'est un livre, fantastique, on parle d'utopie parce que c'est un voyage, effectivement. Vous savez peut-être que le voyage est la forme du récit utopique par excellence depuis bien sûr Utopia de Thomas More, hein, au XVIe siècle. C'est un voyage, donc ça reste une sorte de matrice de l'utopie. Simplement, c'est un voyage très compliqué parce qu'encore une fois, c'est raconté par la plume et par le crayon, même si
On les retrouve de temps en temps dans le livre, mais on ne voit pas très bien quand est-ce que c'est la plume qui parle et quand est-ce que c'est le crayon. En fait, bien sûr, c'est le texte et l'image, mais les rôles ne sont pas très définis. C'est un voyage compliqué parce qu'en réalité, ce sont trois néo-dieux qui portent des noms très ironiques. Un s'appelle Puff, c'est le pff, en fait. Hein, voilà, c'est le désarroi. Et en même temps, c'est la blague. Hein, voilà, c'est très, très populaire. Donc, trois néo-dieux qui font écho, bien sûr, à toutes sortes de doctrines religieuses et sociales du XIXe siècle, saint-simonien, fourriériste, etc. Mais de façon très, très libre et très allusive. Mais bien sûr, à l'époque, je pense qu'on devait percevoir tout ça assez clairement. Et puis, c'est un voyage très décousu, parce qu'en réalité, on suit ces trois néo-dieux qui se partagent le monde entier. Et il leur arrive des aventures dont on ne comprend pas très bien enfin, la suite logique. Non. Et parfois même, comme souvent dans les utopies, hein, ce sont des rêves. En fait, c'est le fruit de leur imagination, ils s'endorment. Et c'est ce qui se passe précisément dans ce chapitre des Métamorphoses du sommeil de 1843, qui fait bien sûr écho aux Métamorphoses du jour que Granville avait publiées dans les années 1829-1830. Et dans les Métamorphoses du sommeil, un de ces néo-dieux s'endort et rêve de la femme aimée, et ça prend cette forme-là. Hein. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a des pleines pages hein, dans Un autre monde, mais très souvent il y a quelques lignes hein, pour voilà, toujours confronter le texte et l'image. Et c'est une forme d'hallucination, puisqu'en réalité le récit, le texte, hein, donc, précise qu'il a bu un élixir avant de sombrer dans un sommeil profond, où il voit apparaître cette femme aimée, qui se définit, vous voyez, progressivement, à partir d'un oiseau, puis d'un carquois, d'un arc et son carquois, pardon, d'un bilboquet, enfin d'une pelote de laine avec un... Comment ça s'appelle? C'est pas le rouet, si c'est le rouet? Ça. Bon, pas grave. Un bilboquet, et puis petit à petit, une fleur dans un vase, et la femme qui se transforme finalement en fumée, hein, qui disparaît. J'ai restitué la composition avec la pleine page à droite, puisque j'ai isolé l'image pour que vous la voyez mieux. Dessin original, qui n'est pas d'une extraordinaire qualité, mais c'est toujours intéressant de pouvoir le comparer à la gravure. Dans le livre illustré, en l'occurrence, on n'y gagne pas grand-chose. Et si je vous parle de cette illustration, c'est parce que se dissimule dans le texte une forme de dialogue avec Théophile Gautier, le grand écrivain et critique d'art, qui publie au même moment, ou presque, que Granville, des chroniques dans un journal qui s'appelle La Presse, qui n'est pas un journal illustré. Et dans ces chroniques, il y a dans La Presse, donc, il y a un célèbre récit que fait Théophile Gautier d'une expérience qu'il a faite au club des Hachichins, où il a ingéré cette fameuse confiture verte ou d'Ahuamesque, qui est assez forte, effectivement, et qui provoque des hallucinations, avant de rendre assez puissamment malade, hein, d'ailleurs, ça se paye cher. Mais ce club des Hachichins, c'est assez, assez connu et assez célèbre, hein, il était fréquenté par Balzac, par Baudelaire, évidemment, et même si on ne sait pas qui a pris quoi, mais l'aliéniste Moreau de Tours faisait des expériences donc, avec des artistes pour voir si cette substance donc, provoquait des hallucinations, et quel genre d'hallucinations sur des esprits qui étaient particulièrement disposés hein, à l'imagination. Or, Théophile Gautier écrit dans La Presse, je crois que j'ai une diapo, voilà, pour raconter tout entière une hallucination de haschich, il faudrait un gros volume, et un simple feuilletoniste ne peut se permettre de recommencer l'Apocalypse. L'Apocalypse qu'il vient de décrire, hein, des créatures monstrueuses qu'il a vues parcourir la pièce où il se trouvait. Ce texte date du 10 juillet 1843, et dans Un autre monde, dans la livraison d'octobre 1843, c'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure des livraisons hein, parce qu'on peut dater précisément finalement chaque chapitre précisément ou presque, enfin à quelques semaines près il est dit hein, donc par Taxil Delorme mais sur les idées de Granville, je vous rappelle
Hubble, qui est un de ces néo-dieux, se trouva dans la situation exacte d'un mandarin qui a fumé de l'opium en contrebande ou d'un feuilletoniste qui a mangé du hashish prononcé hashish. Et donc, ce feuilletoniste, on ne peut absolument pas comprendre de qui il s'agit dans un autre monde. Donc, ça ne peut être qu'une référence au texte de Théophile Gautier. Alors, vous me direz, mais c'est Granville qui s'inspire de Gautier. C'est le dessinateur qui suit le littérateur. Ce n'est pas tellement nouveau. Ce n'est pas une façon de refonder les choses. Oui et non, parce qu'en réalité, dans ce texte de la presse de 1843, Théophile Gautier fait le compte-rendu d'une pièce de théâtre qui est inspirée d'un des livres illustrés de Granville. Et c'est un livre où précisément il y a de ces créatures hybrides et monstrueuses qui ont rendu Granville célèbre. Et Gautier dit, bon, c'est beaucoup moins bien que le livre de Granville, cette pièce de théâtre, ça n'a aucun intérêt. Et dans les lignes suivantes, il fait la description de son expérience du haschich en décrivant des monstres extraordinaires qui sont tout à fait ceux que Granville a publiés quelques semaines plus tôt dans les livraisons d'un autre monde. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est que Théophile Gautier décrit des monstres qu'il a en principe vus avec le Dawamesque, mais en s'inspirant beaucoup de ce qu'il a vu chez Granville, surtout, et Granville lui répond en lui disant « Oui, d'accord, hein, je sais ». Il lui répond en citant le feuilletoniste, donc en citant son article de la presse pour dire « Je t'ai lu, je sais que tu fais des monstres à ma manière, mais c'est moi qui les ai dessinés avant, à chiche ou pas ». C'est du moins l'hypothèse que je propose, je vais vite. Il faudrait apporter d'autres éléments. Mais donc il y a un dialogue, si vous voulez, entre Théophile Gautier, qui va critiquer très fortement Granville, jugeant qu'il a raté son ambition de faire parler au crayon le langage de la plume, hein, pour le citer exactement. Et donc Gautier est un ennemi, hein, Théophile Gautier est l'ennemi de Granville, et Granville lui répond, en quelque sorte, avec cette citation. Bon, c'est pointu, mais c'est le genre de livre, effectivement, où il y a énormément d'allusions, il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est érotique, c'est social, c'est moral, c'est politique, c'est artistique, c'est esthétique, et c'est évidemment, ça appelle à l'exégèse, c'est tout à fait évident. Alors ce qui est intéressant aussi pour cette image dans un autre monde, c'est qu'on a une étude préparatoire, et qui est conservée dans cette collection privée, qui a beaucoup de dessins de Granville, qui les a rachetés d'une ancienne collection. Je passe sur les détails. Et vous voyez que Granville a décrit ces métamorphoses. Alors, elles sont plus complètes, il y en a davantage, il a simplifié pour la version publiée. Et c'est là qu'on voit qu'évidemment, il ne sait pas écrire. Alors, c'est génération d'un rêve et mouvement du sang pendant le sommeil. D'un homme à lui révélé en rêve, c'est laborieux, hein, j'ai du mal à lire, mais enfin ça reste quand même laborieux, l'original, et puis une sorte de texte, hein, celle que j'ai toujours rêvé, l'idole de mon cœur, je vais la saisir, c'est une belle de jour, dans une carafe d'eau froide, etc., etc. Voilà. Et on suit comme ça le texte. Donc c'est pas vraiment un poème, c'est plutôt des idées, hein, qui permettent de suivre les métamorphoses, et peut-être pour Granville aussi, probablement, de faire une image narrative, c'est-à-dire que c'est une image texte, c'est une image qui raconte une histoire, cette histoire c'est certes celle d'un rêve et d'une hallucination, mais c'est une histoire, et probablement cette feuille est-elle une tentative pour raconter une histoire dans une seule image, avec l'idée évidemment de concurrencer le texte, puisque le projet d'un autre monde, encore une fois, c'est la rivalité de la plume et du crayon. Donc, rivalité de la plume et du crayon, et si on regarde bien, on voit que, je vous en parlais tout à l'heure, le porte-mine est assez à l'aise, regarde le spectateur, l'air de dire, tu vois, ça marche, et puis la plume, elle est un peu écrasée et effrayée de cet autre monde, qui est visiblement un autre monde d'image, et peut-être pas un autre monde de texte. Bon, alors, essayons de situer Granville dans ses dessinateurs. Évidemment, Rodolphe Töpffer, qui publie des histoires en images, bien avant Granville, dès les années 1820.
qui publie ses livres autographiés très simplement avec des personnages, Pencil, Jabot, etc., Vieux Bois, ça a un succès considérable. Hein. Töpffer est tout à fait intéressant, Philippe Quesnel l'a bien montré, parce que c'est, alors il est considéré comme l'inventeur de la bande dessinée, ça on peut discuter à l'infini, mais peu importe. Mais c'est d'abord un écrivain, c'est un grand homme de lettres, un penseur, un philosophe, tout ce que vous voulez, qui dessine ses histoires en estampe, qui a un succès considérable, mais qui refuse que l'on indique sur la couverture de ses livres en estampe, de ses histoires en estampe, qu'il les a illustrées lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'assume pas d'être à la fois écrivain et dessinateur. Il refuse à chaque fois hein, qu'on dise qu'il a illustré lui-même ses livres. Ce qui est tout à fait intéressant. Alors même que Töpffer va encourager Granville, par l'intermédiaire de son cousin, enfin, je passe sur les détails, à faire des histoires en estampe. C'est Töpffer qui donne l'idée à Granville de raconter des histoires par des images. Et visiblement, Granville ne connaît pas le travail de Töpffer, il le découvre et probablement ça a une influence sur lui. Et à partir de là, il conçoit cette idée hein, d'une narration par l'image. Le système de Töpffer est très différent, vous voyez que ce sont des séquences d'images avec du texte en légende, ce qui est évidemment tout à fait nouveau hein, et tout à fait intéressant, mais qui n'est pas le même principe que Granville, qui est de raconter vraiment une histoire avec une image. Par ailleurs, Töpffer n'est pas vraiment intéressé par le fantastique, par une esthétique romantique qui peut se rattacher au fantastique. C'est ironique, c'est, comment dire, humoristique, tout simplement, c'est assez drôle, en effet. Ça se moque des ridicules, des pédants, etc. Mais ça n'est pas fantastique. Alors, cependant, il y a chez Töpffer quelque chose qui est bien connu, cette fameuse loi de Töpffer, identifiée par l'historien de l'art Ernst Gombrich, hein, qui a extrapolé de quelques pages de Töpffer, de son essai de physiognomonie, une théorie du trait qui incite l'œil à interpréter la moindre inflexion dans une figure, pour la caractériser, pour lui donner un caractère, pour lui trouver une expression. Et cela, évidemment, même si je ne suis pas certain que Granville l'ait vu, hein, c'est extrêmement important parce que la suggestion visuelle, à partir du dessin, le glissement des formes que montre ici Töpffer d'un visage à l'autre, c'est le même procédé qu'utilise Granville dans ses suites de métamorphoses qui traversent la page. Chaque trait fait évoluer la forme qui, évidemment, suscite l'imagination de celui qui regarde ces formes. Donc Töpffer, oui, évidemment, mais vous comprenez bien que ça n'est pas un dessinateur à part entière puisqu'il n'a pas revendiqué cette pratique, il n'en a pas conçu une esthétique, ça n'est pas un propos esthétique. C'est autre chose, c'est un peu en marge de sa production, qui encore une fois est une production avant tout littéraire et en tout cas textuelle. Lewis Carroll est plutôt un écrivain dessinateur qu'un dessinateur écrivain ou qu'un dessinateur. Je veux dire par là que, vous le savez peut-être, hein, Lewis Carroll a illustré son fameux Alice, du moins dans la première version, et que ce manuscrit est conservé à la British Library, hein, à Londres, bien sûr, et que ses illustrations, et même son récit, mais c'est peut-être ses propres illustrations qui finalement nous le font comprendre, a quelque chose à voir avec Granville. C'est une question qui a été déjà travaillée, ça n'est pas une pure invention de ma part. D'abord parce qu'il conçoit des monstres hybrides, voilà, c'est assez évident. Donc ce sont les illustrations de Lewis Carroll. Et parce qu'il y a des procédés chez Alice que vous connaissez peut-être, hein, d'agrandissement des figures, au contraire, de réduction extrême, que l'on trouve évidemment dans un autre monde de Granville, notamment le chapitre « Les grands et les petits », je vous propose cette comparaison.
Il est assez évident aussi que la bataille des cartes d'un autre monde a inspiré à Lewis Carroll la pluie de cartes. Alors ici, vous voyez non pas une illustration de Lewis Carroll, mais une illustration de John Tenniel, qui est l'illustrateur de la première édition d'Alice. Mais Lewis Carroll n'aimait pas du tout le travail de John Tenniel, mais il ne pouvait pas rendre public ses dessins, qui n'étaient pas assez professionnels, c'est évident. Donc John Tenniel a défantastiqué, si vous passez l'expression, le texte de Lewis Carroll, pour en faire quelque chose de moins inquiétant, de moins fantastique, de plus plaisant pour un large public et un public enfantin, et a finalement écarté, recouvert cette source de Granville qui disparaît presque complètement, tant les images de John Tenniel sont prégnantes, parce qu'elles sont, elles sont évidentes, tout simplement. Alors un personnage tout aussi intéressant, et peut-être plus même que Lewis Carroll, c'est Edward Lear, qui n'est pas nécessairement très connu en France, mais qui est très connu au Royaume-Uni, parce que ces formes de comptines qu'il a popularisées au milieu du XIXe siècle sont restées vraiment très présentes dans la culture enfantine. A Book of Nonsense paraît... Alors, en 1840 et quelques, pour la première édition, Lear visiblement ne connaissait pas du tout Granville, même si, assez curieusement, il est spécialiste du dessin des animaux, c'est un dessinateur naturaliste, c'est une grande partie de sa pratique, mais il est aussi poète, il fait des paysages, enfin, c'est un homme extrêmement polyvalent, touche à tout, c'est quelqu'un de vraiment absolument passionnant. Et pour un de ses commanditaires, le duc de Derby, mais peu importe, pour les enfants de ce commanditaire, le soir, après avoir dessiné les animaux de sa ménagerie, il faisait ses petits contes, auxquels il a ajouté des textes, mais immédiatement. C'est-à-dire que ce sont un dessin, un doodle, vraiment, un croquis, avec une légende orale dans un premier temps, et puis qu'il a ensuite formalisé. Et c'est lui que vous voyez là, donnant évidemment son livre aux enfants. Edward Lear reprend la forme du limerick, qui est cette forme poétique très particulière, qui est en principe inventée à Limerick, donc dans les soirées très alcoolisées de cette ville irlandaise. Et donc ce sont des poèmes absurdes, grossiers, souvent. Alors ils ne sont pas très grossiers chez Lear, mais ils sont un peu absurdes. Et voilà ce que ça donne, avec ce vieil homme donc, qui étudie les œuvres de Vitruve. Et quand les flammes brûlent son livre, il avait trop bu donc, ce vieil homme du Vésuve. Alors, le conte est absurde parce qu'on ne voit pas le rapport. Enfin, entre Vitruve et le Vésuve, on peut comprendre, parce que bon, architecture, ok, bon, antiquité, ça fonctionne. Mais comment le volcan vient brûler ce livre alors qu'il est en train de boire et de le lire, on comprend absolument pas. Et l'image ne donne pas de résolution de cette énigme. Ce sont deux énigmes qui se télescopent et qui créent une image. Alors, fantastique si l'on veut, en tout cas assez étrange et illogique. Alors Edward Lear a un succès considérable, mais encore une fois, son travail voyage assez peu, mais c'est un bon exemple de dessinateur, parce qu'il écrit les textes, il raconte des images, il raconte des textes, des histoires en images, et en même temps, ce sont des images uniques, ce ne sont pas des séquences d'images, mais cette interaction est extrêmement intéressante puisque cette disjonction, enfin cette collision plutôt entre le texte et l'image fait surgir un sens qui n'en est pas un nonsense donc, qui peut être attaché au fantastique, c'est en tout cas ce que je propose. Alfred Kubin est évidemment incontournable dans ses dessinateurs, même si c'est très particulier. Puisque à partir de 1907-1908, sa pratique connaît un infléchissement assez considérable. Il a toujours été intéressé par la psychographie, comme il dit, c'est-à-dire l'écriture de son état psychologique, la transcription de ses rêves, mais il change de pratique graphique en 1908 au moment où il écrit un livre. Et ce livre, c'est son livre, bien sûr, L'autre côté, un roman fantastique. 1908-1909. Il l'écrit dans une sorte de transe, en quelques 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et c'est un vrai livre, c'est assez imposant.
Et il dessine bien sûr les images qui vont illustrer ce livre. Sauf qu'en réalité, il a déjà dessiné des compositions qui l'ont inspiré pour le livre. Mais ce ne sont pas ces compositions qu'il va garder dans le livre. Il va créer des images, d'autres images, que celles qui lui ont inspiré le livre. Et les images qui lui ont inspiré le livre, en fait, c'est Kafka et Mehring qui vont les utiliser pour écrire leurs œuvres littéraires. On est vraiment à un carrefour de l'écriture et du dessin, de dessinateur et d'écrivain. Kubin devenant les deux en 1908, mais dans une sorte d'état second, visiblement, d'après ce qu'il décrit. Alors ça, c'est un aspect qu'il faudrait développer, mais je ne vais pas le faire ici, ce serait trop long. Il y a souvent une auto-représentation dans ces textes. Granville est partout dans ses livres, souvent en animal, qu'il faut identifier. Hein. Et c'est le cas pour Kubin, évidemment, qui est aussi très présent, puisque ce sont ses propres rêves, et bien entendu, il rêve aussi de lui. Ce sont ses visions qu'il raconte, et il est, voilà, mis en scène, ici ivre, hein, dans un café. Ces visions, voilà, on les trouve parfois d'ailleurs, alors bien sûr influencées par Redon, hein, mais aussi influencées par Granville, c'est tout à fait clair ici, dans ces oiseaux qui sont pêchés dans le ciel, il y a une composition de Granville qui est tout à fait proche, pour cet aspect en tout cas de l'illustration de Kubin. Et vous avez ces visions en métamorphose, en séquences fuligineuses, hein, qui font évidemment penser aussi à ces compositions narratives de Granville, dans un autre monde. Alors, je vais passer vite sur le surréalisme, parce que bon, c'est un problème évidemment très important. Vous savez que voilà, les surréalistes sont bien sûr presque tous, en tant qu'écrivains, intéressés par l'image, dans une approche de l'image qui n'est pas de l'ordre de l'ekphrasis, qui est évidemment dans une sorte de fusion de l'approche. Ce que je vais dire concerne uniquement Granville, mais la petite enquête que j'ai faite, en suivant d'ailleurs les travaux d'un autre chercheur, Georges Sebag, que je dois citer pour être tout à fait honnête, la petite enquête que j'ai faite montre que Granville est pratiquement invisibilisé, comme on dit maintenant, hein, il est effacé. Alors qu'il est présent au tout début, en 1923, vous voyez dans ce dessin très célèbre qui a été publié dans littérature, dessin Erutaretil, je vais y arriver, littérature bien sûr à l'envers, hein, où il y a une sorte de panthéon conçu par André Breton, des grandes références qui fondent la littérature surréaliste. Et il y a un seul dessinateur, c'est Granville, qui est là. Voilà. Et qui va rester, hein, dans la version publiée. Alors voilà, c'est magnifique, on se dit, enfin, Granville est reconnu par tout un courant extrêmement important du XXe siècle qui a compris qu'il était un homme à la fois d'image et de texte, que d'écrire l'image avec les rêves était évidemment quelque chose d'important pour le surréalisme. Oui, mais non, hein, parce que finalement, André Breton parle à mots couverts dans Nadia d'un livre de Granville qui est Les fleurs animées, mais il ne cite pas le nom de Granville, c'est-à-dire qu'il faut deviner que c'est de Granville dont il s'agit, et ce procédé se répète plusieurs fois chez Breton. Hein. Il y a Granville en arrière-plan, mais il n'est pas cité, donc il ne constitue pas une référence. Et c'est troublant parce que Georges Bataille, dans la revue Document, la fameuse revue Document, reproduit un des rêves de Granville, hein, des rêves du magasin pittoresque, et dit que ça a pu influencer Victor Hugo pour son poème La Conscience, hein, avec l'œil qui poursuit Cain, etc. Hein. Et puis finalement, Bataille, à la fin, dit « Non, mais parce que, non, en fait, l'imagination du poète est bien plus forte. » Autrement dit, même si Hugo a vu la gravure de Granville, et c'est évident qu'il l'a vu parce qu'il lisait le magasin pittoresque, on le sait, Victor Hugo n'a pas pu s'inspirer. Il a été au-delà de l'image. Et donc, à nouveau, Granville est évacué, congédié, en quelque sorte, hein, et sa tentative de raconter avec une image n'est pas prise en compte par les surréalistes, sauf à la fin du surréalisme, en fait, hein, sauf au tournant, c'est-à-dire quand on commence à ressortir Granville, mais pas André Breton, hein, la jeune génération qui s'attaque à Breton, et bizarrement qui en même temps ressort Granville. Alors, Ernst n'est pas vraiment de la nouvelle génération, mais
là, ce que je vous montre ici, c'est donc un facsimilé d'un autre monde de 1963. C'est la première, finalement, réédition au XXe siècle d'un autre monde, avec un texte de Pierre Restany, hein, qui est un grand critique d'art de l'époque. Et Ernst conçoit cette magnifique composition, hein, avec la légende que vous pouvez lire, avec une faute d'orthographe dans le nom de Granville, ce qui montre qu'il n'était pas si connu que ça. Mais Ernst, qui comprend très bien, hein, le principe que Granville a expérimenté, d'images séquentielles, hein, de métamorphose, avec en même temps cette sorte de volute, hein, qui vient exprimer sans doute, à mon avis, l'imagination, en même temps que l'animal, qui bien sûr a été important pour Granville, comme vous l'avez compris. Alors Topor. Eh bien, Topor, justement, il commence à travailler quand le surréalisme s'essouffle. Il rencontre Breton dans ces espèces de cérémonies d'intronisation qu'affectionnait André Breton. Et c'est une anecdote assez connue, mais c'est toujours amusant de la raconter. Au bout de 5 minutes, Topor n'y tient plus d'être en face du grand pape. Et il va aux toilettes et il ne revient plus jamais. Il disparaît. C'est tellement insupportable. Et bon, voilà, c'est anecdotique, mais en même temps, c'est assez révélateur du fait que Topor appartient à une toute autre génération qui fait ce que Breton appelle de l'humour noir, et tout le monde dit que Roland Topor fait de l'humour noir dans les années 60, hein, puisque c'est quand même, commence à travailler à la fin des années 50. Tout le monde dit que Topor fait de l'humour noir, sauf que la catégorie de l'humour noir, elle a été inventée par André Breton. Elle n'existe pas avant. Il l'a inventée dans son anthologie de l'humour noir, paru pour la première fois en 1940, je crois, autour de 1940. Et il l'a fait reparaître dans les années 50. Donc Breton invente l'humour noir, ne retient pas Granville, hein, vous l'avez compris, Granville ne peut pas faire partie d'un panthéon de Breton. Et quand Breton reprend son travail, donc son anthologie de l'humour noir, il fait allusion à certains hebdomadaires, journaux illustrés, sans les citer, alors qu'évidemment c'est Harakiri qu'il devrait citer dans les années 60, et notamment le travail de Topor, c'est très connu, je vous montre ici une affiche qui est peut-être un petit peu moins connue que les unes de Topor. Alors Topor publie son premier dessin dans la revue Bizarre, en 1958. Ça fait rire quelques-uns, pas beaucoup. Donc, est-ce de l'humour noir, j'en sais rien. En tout cas, c'est une revue qui vient de publier, qui vient de consacrer un numéro à Granville, avec évidemment une couverture, avec des illustrations d'un autre monde. Et Topor travaille donc pour la presse illustrée, comme Granville à ses débuts, se tourne ensuite vers le livre illustré, fera du cinéma, de la télévision, toutes sortes de choses. Il fera tout sauf de la bande dessinée. Il exècre la bande dessinée, il le dit. Parce que la bande dessinée, justement, elle est narrative, mais pas de la façon dont il veut raconter les choses. Alors, je ne dis pas que Topor fait systématiquement des images séquentielles comme celle-ci, hein, avec deux moments. Mais, en tout cas, la bande dessinée ne lui paraît pas satisfaisante. Par ailleurs, Topor est l'archétype du dessinateur, parce que c'est un romancier. Son locataire chimérique a connu un certain succès au point que Roman Polanski a adapté le livre pour Le locataire, hein, de Polanski, qui est assez fidèle en fait au livre, ou en tout cas à son atmosphère. Donc Topor est un homme multiple, hein, était un homme multiple, mais il était surtout écrivain et dessinateur, et il joignait les deux. En 1979, et je terminerai avec ça, il publie. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances, malgré tous mes efforts, les archives Topor, ce n'est pas évident. Donc, il publie aux éditions Garnier une petite anthologie de dessins, enfin d'illustrations plutôt, gravées donc de Granville. C'est très moche, c'est très mal fait, ça n'a pratiquement aucun intérêt, sauf la présentation que fait Topor, qui est un récit. C'est un petit conte fantastique en deux mots. Topor se présente comme un écrivain qui va chez son éditeur qui s'appelle K. Alors là, il y a plein de références parce qu'il y a un K éditeur à Paris qui travaille très peu de temps après la guerre, enfin, qui est un éditeur mythique, mais
Je passe. Donc il va chez son éditeur qui s'appelle K. Et K lui dit, mais vous savez, mon cher Topor, ce que vous faites, c'est quand même assez proche de Granville. Est-ce que vous le connaissez? Alors Topor dit, non, oui, bien sûr, je connais Granville. J'ai tous ses livres dans ma bibliothèque. C'est un modèle, enfin. Et l'éditeur lui dit, mais est-ce que vous voudriez le rencontrer? Je connais une voyante polonaise qui peut vous le faire rencontrer. Topor dit, bon, si vous voulez. Bon, très bien. Donc ils vont chez cette voyante polonaise qui a un accent britannique et qui invoque Granville qui réapparaît avec sa voix caverneuse. Et le dialogue se noue. Granville dit à Topor, j'aime beaucoup ce que vous faites. Enfin, l'hypocrisie complète. Enfin, on reconnaît un certain nombre de running gags de l'époque. Hein. Et finalement, l'éditeur dit, alors Granville, est-ce que vous voudriez illustrer le livre de Topor? Et Granville dit, oui, pourquoi pas, c'est une chose envisageable. Alors, c'est fou, parce que Topor se présente comme un écrivain illustré par Granville. Bon. Et puis, K lui dit, vous pouvez nous montrer quand même, vous avez travaillé, vous avez fait quelque chose. Et Granville se retourne, et baisse sa culotte et lui montre son cul. Et l'éditeur dit, vous avez bien compris Topor. et Topor conclut en disant, quand même, il aurait pu s'y prendre autrement pour me dire qu'il ne voulait pas publier mon livre. Vous voyez, un éditeur, un illustrateur, un écrivain, mais en fait, qui sont aussi des illustrateurs et des écrivains, une rivalité entre les deux, un conflit avec un éditeur. C'est l'histoire de Granville. Et Topor connaît tout ça, alors qu'il n'y a pas eu d'études consacrées vraiment à cela. C'est Philippe Quesnel, encore une fois, qui a sorti des archives d'Hetzel, ces querelles entre Granville et Hetzel, qui ont été assez loin, puisqu'ils se sont menacés de duel, quand même. Donc Topor avait parfaitement compris le travail de Granville, les enjeux, évidemment aussi, de raconter des histoires en images. Et ce récit est de plus illustré par Topor, mais d'images de Granville. Mais Topor les a démembrées pour recomposer. Alors, je prends qu'un exemple. Donc, vous avez la dame polonaise, abstraction faite de sa moustache, est bien gentille, elle sert le thé, offre des gâteaux, donc c'est la voyante. Donc, à chaque page, il y a des illustrations de Granville. Alors, l'original, le dessin original pour les fables de La Fontaine, La mort et le bûcheron, vous l'avez à droite, et je vous montre comment ça marche en fait. Je ne sais pas si c'est la voyante polonaise, ou si c'est Granville qui veut prendre la parole. Vous avez l'illustration à droite, dans l'édition des Fables de La Fontaine par Granville, et vous voyez le travail qu'a fait Topor, qui est d'insérer une figure d'écrivain qui se trouve dans. La légende, mais ça se trouve dans 100 proverbes, un des livres illustrés de Granville, où Granville se met en scène avec l'écrivain obséquieux, qui tient la main de Granville. Ne vous fiez pas au Holnick, c'est le surnom de l'écrivain. Et Granville, mais en fait, Granville est à gauche et Holnick est à droite. Donc Granville représente l'écrivain rendant hommage au dessinateur, qui le regarde de façon un peu méprisante. Et c'est cela précisément que prend Topor pour serrer la main de la mort, ou plutôt la plume de la mort, à nouveau, la plume, donc deux plumes. Alors, on peut interpréter ça de toutes les façons, considérer que Granville, dans le montage de Topor, est devenu la mort, parce qu'évidemment, il est mort avec ce récit. On peut considérer que l'éditeur, c'est le vieillard, on peut tout imaginer, évidemment. Mais en tout cas, Topor renforce le caractère fantastique des compositions de Granville. Et finalement, la page de titre de cette modeste édition de 1979 de ces dessins de Granville parle d'elle-même, puisque Topor reprend cette fois-ci, sans la modifier, une illustration de Granville pour les 100 proverbes, muraille blanche, papier de fou, qui est un proverbe un peu abscon, et qui montre un autoportrait de Granville avec la marotte de la satire, signant un mur sur lequel se trouvent des graffitis, ce qui est évidemment une façon de dire qu'il pratique un art impur, un art populaire, même s'il le fait avec beaucoup d'emphase et de fierté. C'est un commentaire ironique sur le statut dérisoire
qui lui est fait dans ce monde de l'édition illustrée. Voilà, et ben je suis à votre disposition pour des questions. Merci.